j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux titres japonais, deux romans japonais mais très différents. Le premier va être un petit roman mignon et le second va être un roman, un thriller japonais psychologique assez violent. Donc on commence cette vidéo. Alors le premier, il s'agit de Au prochain arrêt de Hiro Arikawa, qui a également écrit, il y a des autres romans comme Les mémoires d'un chat et un autre qui est la suite, qui a l'air très bien également, que je lirai. Très clairement j'ai été attirée par cette magnifique couverture, j'adore ce genre de couleur, il y a pastel, c'est magnifique, il y a des cerisiers, c'est joli. Et le pitch me y apparaissait vraiment très bien. Du coup, on suit en fait plusieurs situations, plusieurs, et il y a personnes qui vont se rencontrer, interagir, avoir des liens les uns avec et il y a les autres, puisque ce roman se passe, il y a dans un train, sur la ligne Ankyu Imazu, reliant les villes de Yatakarazuka à Yanishi Yanomiya, situé en fait vers Kyoto et Osaka, si je me souviens bien, voilà. Et en fait c'est très original parce que toutes ces personnes que l'on va suivre durant ce court roman, il n'est y a pas long, il fait 170 pages, se croisent, on voit en fait, on suit quelqu'un qui est assis et ensuite on suit une autre personne qui a vu agir cette y a personne, etc. Donc y a tout le monde est un peu lié, ce que j'ai trouvé absolument génial. C'est comme si on avait une scène de y a théâtre, on voyait un agir, on voyait ses pensées, et ensuite il se figeait et c'est les autres qui étaient figés qui rentrent en mouvement et que l'on suit ensuite. J'ai trouvé ça hyper hyper cool. Donc on suit plusieurs personnages, plusieurs situations complètement différentes. Par exemple, Shoko. Shoko qui est une femme dont le copain, dont le futur mari l'a planté pour une autre femme et qui prend sa vengeance. Elle va s'habiller de blanc comme une mariée et elle va aller un petit peu casser le mariage de celui qui aurait dû être son futur et de celle qui lui a piqué son futur mari. Voilà, elle prend une revanche et revanche bien prise. Ensuite on suit un étudiant qui voit une jeune fille lire un manuel de la même université que lui et ils vont se mettre à discuter ensemble. Il y a d'hélicoptères si je me souviens bien. On va suivre un homme qui travaille et qui va remarquer une fille qu'il croise souvent à sa bibliothèque qui a un sac à l'effigie de Yamike qu'il trouve régressif mais drôle à la fois. Et il se souvient très bien d'elle puisque c'est celle qui lui pique, il y a les bouquins qu'ils souhaitent lire à chaque fois et ils vont discuter pour la première fois dans ce train lorsqu'ils vont remarquer des espèces de symboles à l'extérieur, sauf que ces caractères japonais en fait, un caractère japonais il peut vouloir dire plusieurs choses en fait, ils vont y a débattre de la signification du caractère qu'ils ont vu, voilà. On va suivre une vieille femme qui va rentrer dans le métro avec son chien et sa petite fille et en fait elles vont réagir à une situation qui était juste avant celle de femme mature, donc 40 et quelques années mais très bruyante, très habillée, très clinquant, très voyant, qui font du bruit, chose très peu courante au Japon qui ne se fait y a pas du tout. Le but c'est de ne surtout pas y a déranger son prochain et elles sont très bruyantes et il y en a une qui y balance son sac sur le siège en face pour sa copine qui est en retard. Et il y a une jeune fille qui est installée là, jeune fille que l'on a suivie avant et en fait qui est avec un mec qui ne la respecte pas du tout, qui s'est barré du wagon et qui l'a laissé en plan comme une grosse merde. Et justement cette jeune fille, elle a vu réagir la vieille femme avec son chien et en fait elle lui dit vous devriez le larguer très clairement parce qu'il ne vous veut pas du bien. Du coup on va suivre cette jeune fille qui va effectivement larguer son copain. Et c'est une façon d'écrire très originale parce qu'il y en a un qui fait quelque chose, l'autre observe et ensuite on suit l'autre qui observait pour le suivre ensuite dans un pan de sa vie. Voilà, et du coup la jeune fille qui est assise est genre éberluée qu'une femme de cet âge-ci puisse faire ça. Et ensuite il y a la fameuse retardataire qui arrive et ensuite on va la suivre elle et se rendre compte à quel point elle a honte de ces femmes là et qu'elle se fait traîner par ses amis
soi-disant, mais qu'elle n'a aucune envie d'être là. On va suivre également une fille qui est à la fin du lycée et qui sort avec un garçon plus âgé. On va les suivre aussi eux. Voilà, on va suivre plusieurs situations comme celle-ci. On retrouve souvent, il y a par exemple la grand-mère, on la retrouve deux fois. La jeune fille qui a largué son copain deux fois. Celle qui se venge du mariage, il y a deux fois aussi. Donc c'est assez intéressant parce qu'on on les croise, on les suit et on les retrouve ensuite tout au long de cette ligne de train. Il y a, par contre, je ne sais il y a pas si ça se passe vraiment d'une traite ou si c'est plusieurs jours en fait sur cette ligne. Je crois que c'est ça. C'est pas en une seule fois où tous les personnages sont dans le même train au même moment, je ne crois pas. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien, il ne se passe, il n'y a pas mille et une choses, encore une fois les romans japonais souvent c'est plus une ambiance, une ambiance, la façon d'écrire, des paysages, ce genre de choses là. Franchement j'ai adoré, une lecture que j'ai faite quasiment d'une traite je crois, je ne sais plus, en deux jours. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très très frais, ça fait du bien, c'est beau et c'est originalement fait, originalement trouvé. Le second, alors, j'ai adoré ce roman, mais qu'est-ce qu'il était dur. Il s'agit de La leçon du mal de Yuzuke Kishi, qui est sorti en 2022 je crois, au début en grand format et qui a été adapté en poche fin 2023. Je l'avais vu à la FNAC et je me suis dit ce serait cool qu'on l'ait à la librairie, et genre deux semaines après on en avait plein, voilà, donc j'étais très contente, j'ai pu l'emprunter. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, mais rien à voir avec le précédent, limite ils sont aux opposés. Celui-ci, très jolie histoire, mignonne et tout, bien qu'il y ait quand même quelques situations, il n'y a pas facile, et qu'on suive plusieurs, il y a personnages avec des vies différentes, des situations différentes, mais celui-ci, voilà, c'est un thriller psychologique, il fait 600 et quelques pages, donc c'est un gros truc. Pour autant, je l'ai lu quand même assez vite, en 3-4 jours. J'ai lu la fin d'une traite, les 200 dernières pages, parce que ces pages-ci de la fin racontent une heure de récit en 200 pages. Donc c'est vraiment minute par minute, tout est décrit, c'est parce que ça clôt la situation tragique du livre. Du coup, on suit Seiji Azumi, qui est un charismatique prof d'anglais, assez jeune, sympa, il travaille dans un lycée privé où les élèves sont jugés difficiles. Bien sûr, ce n'est pas le même difficile que dans nos établissements en France où il y a des réels problèmes de discipline et d'éducation. Mais là-bas, voilà, en fait, les enseignements privés au Japon et même en Corée, je pense, c'est... en fait, ouais, il y a des élèves un peu plus difficiles et il y a parce qu'il y a tout simplement les écoles publiques, vu qu'elles sont gratuites, elles sont sélectives. Alors que les écoles privées, on paye et on rentre, voilà. Donc c'est un peu des fils et des filles de riches, mais et moins doués que les autres, on va dire. Donc Azumi est encensé par beaucoup, aimé de la plupart de ses élèves. Il est prof principal de la classe de première, il y a 4. Et Azumi, sous ses airs de gentil gars, on va vite y à découvrir, et de plus en plus au fur et à mesure du récit, qu'il s'agit d'un psychopathe. Voilà, plusieurs actions, plusieurs de ses pensées nous laissent présager que ce mec n'est pas très clean. Par exemple, il met en place un piège pour tuer les oiseaux chez lui qui le réveillent. Il empoisonne le chien du voisin qui le fait chier chaque matin. Il renvoie un élève en inventant plein de preuves pour qu'il se barre parce que cet élève avait des soupçons envers lui et le trouvait bizarre. Et en fait, il faut savoir qu'au sein de sa classe, 3 personnes le trouvent trop lisse, trop bizarre. Ils se disent, ils cachent quelque chose. Et ils ont raison, voilà. Donc il est impliqué dans des trucs, il n'y a pas très net. Il va avoir vent d'une tricherie en classe lors d'un contrôle. Et il va créer un brouilleur d'ondes pour empêcher les élèves de tricher. Ça avec la complicité du prof de physique. Le prof de physique est un peu starbé aussi. Le lycée, clairement, c'est le... Il y a théâtre de situations et de choses peu sympathiques et carrément malsaines. On a un prof de sport qui est violent, qui frappe ses élèves, un prof de sport qui abuse ses élèves.
l'infirmière qui sort avec un élève, le prof d'art plastique qui sort avec un élève, le prof de maths qui est dépressif et qui a fait un truc absolument atroce, le principal qui est lié avec ce prof de maths, Azumi qui est complètement charbée. Bref, voilà, ça donne vraiment les bases d'une histoire, il n'y a pas très saine, mais c'est assez... C'est différent quoi, ça nous plonge vraiment dans cette ambiance malsaine, froide, sombre, bizarre. Et même les élèves ne sont pas en reste parce que celle qui se fait abuser par le prof de sport, elle va faire des trucs il y a peu recommandables avec Azumi justement. Ouais voilà, les élèves, les profs, le lycée, tout est complètement what the fuck. On suit... Franchement ça donne une ambiance super sombre mais intéressante. Et tout au long du récit, on va voir à quel point Azumi se met en tête de faire tomber ses élèves et de se débarrasser de ceux qui le gavent. Voilà, lui, il veut vivre tranquille. Et en fait, Azumi, il ne ressent aucune émotion. Il n'a pas d'empathie, pas de... Il n'a aucune culpabilité et aucun sentiment mauvais quand il fait quelque chose. Juste, il ne ressent rien. Et en fait, on va un peu le suivre dans... Son enfance, on va avoir un peu des épisodes de flashback où ses parents sont assez inquiets parce qu'il n'a aucune empathie et qu'il fait des trucs bizarres. Et voilà, et du coup ensuite plus grand, il va vivre chez son oncle et sa tante, il va aller aux États-Unis pour étudier, il va faire des trucs pas très bien aux États-Unis et puis il va devenir prof d'anglais au Japon. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus. Mais vraiment un thriller très intéressant, le fait que ça se passe dans un lycée c'est vraiment bien je trouve. Ça casse un peu l'image trop lisse des japonais avec ce thriller. Alors sans se dire tous les japonais sont... Il y a des personnes bien ou tous les japonais sont complètement fucked up et ont un yapette au casque. Non, il y a bien sûr un juste milieu, mais c'était intéressant d'avoir un petit peu... cette vision là du Japon complètement voilà. Bref, que vous dire de plus, je vous le conseille vivement, franchement j'ai adoré, très très bien, addictif, haletant à la fin, lui aussi vraiment très très bien, mais dans deux styles complètement différents. Je peux vous les recommander vivement l'un comme l'autre. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que cette courte vidéo sur deux romans japonais qui n'ont rien à voir vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à me suivre sur Instagram et mon blog où vous retrouverez ces articles en question. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo et c'est tout. Bye !